Bon week-end tout le monde, merci parce que je branche TNH, c'était le journal là qui rentrait la caille nous, mais quelques points pour le développer. Processus pour bétonner 3,5 km route tombé vendredi 13 juillet dans quartier Raboto, ville Gonaïve. Tout le monde et le gouvernement a répondu présent dans la séance interpellation Chambre députée demain samedi 14 juillet selon ministre culture et communication Joseph Guilherme-Sedelva. La police a déjà arrêté 101 moun qui a participé dans un pia et à des choukai week-end passé à des mesures qui déjà prend pour garantir sécurité entreprise d'après ministre justice et sécurité publique là Jean-Oudi Ali vendredi 13 juillet à nan moment l'étape visité plusieurs entreprises qui étaient victimes. L'autre point n'a bien pour développer dans le journal ça commission archidiocésaine justice à la paix mandé pour des mesures qui prend pour éviter violence et puis permettre droit tout citoyen respecté dans cadre 16e journée porte l'ouvrir lutte contre violence vendredi 13 juillet 2018 là. Après pose la développement téléjournal ça. L'autre fois encore, on a salué tout le monde, nous content rentrer la caillou avec développement dernier sortie téléjournal là pour semaine long. On a démarré avec le processus pour bétonner 3,5 km route dans le quartier Raboto, ville Gonaïve, qui démarrait journée vendredi 13 juillet. Et spécialement dans rue Égalité avec rue Antenor Firmé, qui déjà dans caniveau, travail décapage avec terrassement et Wapfine Jean, Jean-Naël Duvernay. Jean-président Jovenel Moïse te promet ça. Quartier Raboto dans Gonaïve pral konnen un véritable embellissement. Journée vendredi 13 juillet 2018 là, processus décapage, préparation terrassement commence fait dans plusieurs zones dans Raboto qui pral bétonner complètement. Un travail population Raboto applaudit. Remercie président République son excellence Jovenel Moïse qui prend initiative ça pour permettre que retire moun yo dans la boue après 200 ans. Parce que nous-mêmes, c'est une zone où nous vivons. Donc, c'est la première fois que nous avons bénéficié de ça. Parce que nous-mêmes, nous levons tout le monde dans la zone. À chaque fois que la pluie tombe, c'est une véritable casquette chinoise. La zone est vraiment impénétrable, inaccessible. Donc, après 200 ans, zone réégalité, zone Raboto, pour bénéficier du travail de bétonnage qu'a fait. Donc, nous apprécions l'initiative de la dernière demain, côté que le président de la République prend responsabilité pour venir faire ça. Les nous gardons, nous. Tracteur vini, parce qu'il nous a un paquet de pour venir paraître et puis travail la fête, je venais la travail. Nous apprécions ça. Oui, oui. Le travail la pour fête là, nous avons un problème dans ce nous avons un problème, nous avons tombé la boue, nous n'avons pas capable de passer, nous besoin de marcher, nous pas capable. Nous besoin de faire activité, nous n'avons pas capable. La boue, un paquet de l'eau, mais qu'on y a, ce n'est pas le même bagaille. Et il a changé. C'est un bel travail qu'a fait, mais c'est bien longtemps que nous même dans la nous avons soif de travail ça. Mais l'aide bien gardée et sans attendre, et bon, c'est pas de bagaille nous t'es pensé. Nous regardons hier et nous avons matériel qui vient paraître et c'est le premier travail qui était fait déjà. Bien que nous-mêmes dans la zone, nous t'es pensé qu'on prend c'était. On prend ce bagaille comme ça, bah nous, juste au point, bon, ce bagaille était fini de nous. Mais l'aide gardée nous, on prend, matériel qui paraît vraiment, on prend, je vais finaliser ce travail là. Que nous-mêmes dans la zone, nous disons qu'on prend, c'est une très belle initiative vraiment, oui. Nous, communauté à l'île très vulnérable en termes de rentrée économique, nous disons que le travail ça va reprendre là, il y a une quantité de monde qui peut jouer un petit debout pour le dégager. Bon, peut-être assez en marge de l'ouverture des classes. Nous disons ça, c'est vraiment important. Il pourrait permettre que les riverains jouent un petit bar dans la main pour que les gens soient capables de préparer entre l'école. Nous avons souhaité que y ait plus d'ouverture qui fait, il y ait plus de qui ouvrent sur la cité. Parce que je dis, ça dit de cité, ce n'est pas vrai. Le cité, le cité de non-droit, ce n'est pas vrai. Je dis, nous ne pouvons pas accueillir les gens dans la boîte, ce n'est pas vrai du tout. Je dis, nous souhaitons que il y ait plus d'ouverture qui fait dans la zone. Parce que si nous voulons combattre les délinquants juvéniles, tout bon, il faut que y ait plus d'ouverture qui fait dans la zone. Ou égalité, ou Antenor Firmé, ou El Kamayol, ou Clairvaux, c'est toute zone ça qui prend le bétonner. Ingénieur Franz Saint-Ilien, responsable chantier, a expliqué c'est un valet 3,5 km route qui a fait dans Raboto. Technicien ou prend le travail sans arrêter pour remettre le travail là dans un temps record. Nous finissons de décaper, on a essayé rapidement faire un enlèvement tout de suite. Et combien de jours pour ce décapage là capable de durer? Naturellement.
c'est dans tout laboratoire n'a travail, nous gain Rudiquet, nous gain Riel Kamayol, nous gain Rue Jean-Jacques Dessalines, nous gain Rue Égalité côté n'a Paléa, nous gain Rue Christophe, nous gain Rue Clévoto, n'a pété de tout côté ça encore, c'est dit que nous pas avoir exactement combien de jours, mais son processus n'a pas aller rapide là pour nous mettre nous à point pour nous commencer. Faut nous mettre nous voulons mettre en chantier à partir de mardi faut Raboto en chantier. Population Raboto ba garanti a protocole ak technicien yo et puis protéger équipement qui travaille sous chantier a. Un travail qui permet Raboto prendre route progrès économique et développement. Merci Sabine Jean-Étienne et Naël Duvernay. Ministre Culture et Communication, Joseph Guilherme Sedelva, pote démenti sur rumeur qui a circulé concernant gaz là. Ministre Delva a demandé population à arrêter tête frette parce que le prix gaz là pas changé. Il a répondu à une question en 6 mars. Demandez tout le monde qui tente de rumeurs qui a couru, qui a dit gaz va monter, ou bien gaz, des fois il dit le monter déjà, des fois il dit qu'il va monter à tel heure. L'abdi tout nous savons, c'est des rumeurs, de fausses rumeurs, des rumeurs qui ont couru pour justement chercher à déranger l'ordre des choses. Donc nous disons pas occuper ben rumeurs ça. Et pour le gouvernement, continuellement des populations ont été tête frette pour que pendant que le président de la République, là, Jovenel Moïse, a rencontré avec différents secteurs dans la vie nationale, là, pour que les gens, nous-mêmes haïtiens, tout haïtien, quel que soit côté trouvé dans l'opposition ou bien dans le pouvoir ou bien dans la société civile, quel que soit côté qu'a trouvé, nous qu'a mettre ensemble pour que nous adressions les problèmes que le peuple haïtien a. Responsable Centre Université Management et Productivité CMP, Pierre-André Guillaume, dénoncé comportement pillage et déchoukaï week-end passé. Pierre-André Guillaume qui t'a expliqué comment individu pas arrivé identifié, pillé et puis boulé local CMPA. Mandé autorité concernée prend décision nécessaire pour accompagner et puis dédommager responsable institution et entreprise qui victime en Bazak Sayo. Pierre-André Guillaume, tenant micro Jonner Bicasséus et Bernard Marseille. Les agressions ont commencé de l'après-midi du vendredi 6 juillet vers 4h30. Alors que des étudiants, professeurs, staff administratif et moi-même, nous nous préparions à commencer nos activités pour la vacation du soir, les manifestants ont assiégé notre local en mettant le feu à la barrière et en essayant de la défoncer. Le lendemain, soit le 7 juillet, les manifestants assaillants sont revenus à la charge et cette fois-ci ont envahi et saccagé le local, pillé tout le contenu, matériel, mobilier, équipement informatique, équipement énergétique, matériel didactique, dossier. Puis, ils l'ont partiellement incendié. Nous lançons un appel aux autorités du pays, aux mécènes, organisations internationales, associations de droits humains, pour qu'ils nous aident à reprendre nos activités le plus vite, afin de rester au service de la jeunesse, des entreprises et de notre pays. À nos 600 étudiants, nous disons merci pour leur support. Nous leur promettons que nous allons déployer tous nos efforts pour leur permettre de terminer leur année académique et poursuivre leurs études au CMP. Nous allons poursuivre avec le ministre de Justice et de Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, qui visitait vendredi 13 juillet à plusieurs entreprises qui étaient saccagées 6 à 7 juillet qui sont passées. Visite ça a pour objectif assurer entrepreneurs sur mesure qu'à prendre pour garantir la sécurité entreprise et puis informer sous travail la justice déjà tombé dans le cadre de poursuite qui t'a impliqué dans Zaxayo. Ministre de Justice et de Sécurité publique l'a expliqué. La police déjà arrêté 101 moun dans cadre dossier si là. Nous invitons à écouter plus explications dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Bernard Marseille. Nous avons fait nos devoirs pour nous visiter l'entreprise Sayo, parler à l'entrepreneur pour faire connaître que la justice a fait travail, la justice déterminée pour poursuivre moun qui auteur action ça. Ce n'est pas seulement des exécutants, mais des gens qui des action ça tout. Nous connaissons la population haïtienne, c'est une population qui n'est pas violente, ce n'est pas population qui boulait, ce n'est pas population qui pillait,
mais c'est des bandits, on a dit carrément, qui pillaient, qui volaient à faire monde, qui dévastaient, qui détruisent bien les citoyens gagnants qui auraient dit pour faire. Message là, c'est que nous voulons assurer entrepreneurs, nous voulons assurer les gens qui sont victimes, que la justice a fait travail, comme nous avons constaté déjà au niveau d'une série de juridictions, par exemple à Port-au-Prince, il y a 101 personnes qui étaient arrêtées dans le cadre de dossier ça. Au niveau de la juridiction de la Croix des Bouquets, par exemple, il y a 22 personnes qui ont arrêté. Et même au niveau de Port-des-Paix, il y a près de 7 personnes qui ont arrêté, personnes qui participaient dans le pillage, qui participaient dans le vol à faire monde pendant la situation. Ça. Nous sommes capables d'assurer tout le monde. Tout. La justice a fait travail, il y a tout le monde qui est impliqué dans l'action. Ce n'est pas exécutant, ou t'es sous place socialement, mais auteur, co-auteur, commanditaire, tout le monde qui participait. La justice a fait travail pour joindre le monde. Le commissaire gouvernement met l'action publique en mouvement pour permettre de joindre bandits qui participaient dans piller à faire monde, qui participaient dans détruire, qui participaient dans dévaster. D'ailleurs, le code pénal là prévoit infraction ça, sanctionner. Donc, tout le monde qui a un problème, qui est impliqué dans la question voler à faire monde, question piller, question destruction, dévastation, bien monde, dans le cas d'événement ça, il y a besoin avec la justice et m'assurer que la justice a fait cours normal. Gen coordonnateur général coordination nationale société victime coopérative yo Konasovic qui condamné vendredi 13 juillet zak déchoukay écrasé brisé pillage ak l'autre qui fait dans entreprise ak l'autre institution privée dans région métropolitaine Port-au-Prince lan pendant week-end qui sont passé. Secrétaire général Konasovic l'a expliqué tout peuple gen droit revendiquer mais toute revendication doit faire dans la paix sans écrasé brisé sans voler ak pièces affaires moun qui c'est mauvaise image pour pays a. Secrétaire général Konasovic la Rosemont Jean tenant micro Hertelou Marie Dieudonne ak Laurent Darly Jean-Jacques. Nous quoi action déchapillé crasé pillé voler bagay moun c'est pas moun qui t'a manifesté pour gaz mais c'est nèg qui bay tête yo non qui geta maintenant l'iscaillé qui est ce président qui est ce premier ministre qui est ce ministre c'est yo participé qui infiltré mouvement population hein cal de chepier cal voler bagay moun en façon pour te laguer pays a non couri ou pas ka dire ou défendre nous moun pour ne pas payer 309 goudion gallon gaz et pour boulon machine nous $250,000 $250,000 ou boulon machine $50,000 $80,000 américains parce que on protéger pour pas payer un gallon gaz c'est 309 gouttes ou pas qu'a dit moi défendre pour pas payer un gallon gaz 309 gouttes 273 gouttes et pour monter dans tête mon canapé vert ou vider l'huile sous tout monde pour la monter mon on défendre pour machine alpha accident avec. Député Rolf Papillon annoncé bloc majoritaire dans chambre députée. Li dit déjà gagné un groupe sa 60 députés pour bailler premier ministre Jacques Guy Lafontaine un vote non confiance. Élu circonscription Koraïla fait qu'on est plus loin, il a déjà informé exécutif là sous décision. Yon extrait. Parce que on bagaille tant qu'il meute ça au fin rivé, généralement on s'attend à un changement. Et lorsque ce changement n'arrive pas, plus le changement se fait attendre, plus les conséquences sont capables graves. Donc cet homme d'Akabdo son soupape de sécurité, il faut qu'on lâche pression hein, pour que et société a pour que pays a capable de rejoindre un train de vie normal. Dans la réunion faite hier soir là, avec le groupe majoritaire, nous étions plus qu'en soixantaine selon l'information du journal de la presse. Ce qui s'est mis d'accord et qui s'est dit comment nous allons faire pour le ministère du président, parle de ça, nous discuter là et dans l'entretien soir. Bon, nous étions plus qu'en soixantaine. Alors 60 sont chiffres qui sont assez symboliques parce que c'est chiffres qu'on a besoin pour prendre des décisions en bas. En partir du moment où il y a 60 députés qui sont d'accord sur une question, c'est-à-dire qu'ils passaient déjà. Sauf défection. Et même le tag de défection, pas oublier qu'il y a 16 députés interpellateurs qui ont même qui clair sous position qui n'a qui sens que pour aller voter. Donc dans 60 députés, soi-disant, il faut que tu aies plus que 16, ce qui m'étonnerait.
Et son dialogue, je pense qu'il était fait très, très ouvert, très franc. Côté chaque député débat était partagé et crétio, était partagé opinion sur question avant premier ministre. Et nous finissons par tomber d'accord sur le point. Et là, je tombe d'accord, ça ne veut pas dire que les 72 députés pensent qu'il faut envoyer un ministre. Ça veut dire que lorsqu'on bloque, c'est un bail compact que lui. Lorsqu'on gagne 72 députés, on gagne une quarantaine qui fait valoir que c'est dans ce sens ça pour nous aller, même n'est pas d'accord, ou obligé de plier à majorité. C'est ça qui fait que nous bloquons et c'est ça qui bat le sens. Là. Décision finale là, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opinions contraires, il y a eu des craintes, il y a eu des questions, mais dans l'ensemble, tous les députés sont d'accord que c'est ça qui va le gouvernement, il souffle, c'est ça qui va le pays, il y a une possibilité pour continuer, c'est le renvoi du Premier ministre. Nous avons pensé qu'il était de bon ton, puisque nous appuyons le gouvernement, avant que nous parlions de ça dans la presse, pour que nous prime la présidente de la République. Là. Donc ça, c'est une décision qu'il te prend, que nous avons fait une délégation. J'ai moi-même été mandaté pour transmettre le message au président de la République, pour annoncer que la majorité APH a décidé de se désolidariser du Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. L'autre majorité dans la Chambre des députés a annoncé le pape supporter l'action gouvernement encore selon député Thomas Sikla Francisque de la Cruz. Une décision qui vient quelques temps avant séance interpellation qui prévoit pour demain samedi 14 juillet. D'après député Francisque de la Cruz, une membre qui est dans le bloc majoritaire, c'est conjoncture qui motive la décision. Ça. Nous avons un problème, il faut que nous demandions, mais conjoncture politique a demandé que. Faut que le ministre les sanctionne par rapport à une déficience de leadership. Le problème est le premier ministre, tout le monde fait constat. Ou après, plusieurs secteurs mandés, pas seulement le Parlement. Ou jouer le secteur politique, mandé, ou frange, il y a un monde qui a demandé de c'est chaos. Il y a un autre secteur qui mandé encore, c'est permettre que nous-mêmes gagnions le remaniement. Mais nous-mêmes, au niveau parlement, avant d'être un remaniement qui fait, on ne peut pas passer tout le temps à faire remaniement. Et puis, résultat, nous-mêmes, c'est le résultat que nous cherchons. Donc, nous estimons que le Premier ministre, là, il n'a pas de raison d'être. Lui-même, il connaît, il n'est plus Premier ministre. Il connaît ça très bien. Dans le moment de travailler dans la palais, là, il connaît ça. Non, il connaît le lendemain, même si là, il connaît ça. Parce que si vous avez au niveau du Parlement ici un bloc majoritaire qui déclarait de désolidariser la voix, c'est automatique. Vous souhaitez démissionner. C'est automatique parce que c'est nous qui avons supporté au niveau du Parlement depuis nous désolidariser. C'est automatique. Mais vous voyez tout et aller comme ça, c'est capable de mener plus dans l'instabilité, non? Bah oui, moi-même. Bah oui, instabilité. Hein. Sauf que si l'aller, je pense que quelque part, la pour arranger quelque chose, surtout sur le plan politique. Le point a développé, ministre culture et communication, Joseph Guilherme-Sedelva, bah, garanti tout membre gouvernement à répondre présent dans séance interpellation devant Chambre députée demain samedi 14 juillet. Ministre Delva a déclaré, interpellation c'est une procédé système démocratique là, donc tout responsable doit plier devant principe ça. Ministre a répondu une question en 6 mars. La phase de là, gagné. D'ailleurs, entité cage gagné président de la République là qui lui-même après consultation l'a fait capable de arriver à des conclusions capable d'avancer dans le sens et il faut le pour le faire, c'est droit pour le faire, c'est chef l'état pour assurer que situation débloquée que nous capable continuer à avancer. L'autre monde, le premier ministre là, doit prendre décision pendant ma parler là, tout comme il doit. Et demain, il présente et que le Parlement prend décision et tout ça, c'est normal. Et l'autre entité de là, c'est justement le Parlement fait dit là, qui lui-même a pris telle décision qu'il trouve nécessaire que la loi, que la Constitution autorise le point. Donc, nous-mêmes, le gouvernement, nous pas
n'a pas quitté jeu démocratique la fête, jeu politique là que je jouais. Et toutes les fois que je jouais, quelques agents jouaient une fois que ça respectait la procédure, respectait les normes de gouvernement, je peux conformer là-dedans. Donc, bah quoi que. Donc, on a le problème. Mais comprenez bien tout que Guédois a une autre approche, dans le sens que Guédois a des statements qui besoin faits dans un certain espace, ou bien ou pas qu'à fin qu'on est en définitive, parce que c'est politique, ou pas qu'on est qui ça a fait, qui ça a pas fait. Donc peut-être, comme je dis là, il est préférable qu'on quitte le jeu politique là, les jouer. Jeu démocratique là que les jouer et puis issu ben là la baille et puis tout le monde a conformé à ça que réalité ailleurs. Donc bah quoi, nous besoin anticiper ça que pas le passé. Donc on quitte jeu politique là jeu. Ministre communication qui baille garantie tout membre gouvernement à présent dans séance interpellation chambre de députés à qui prévoit pour demain samedi 14 juillet. Sur notre ça, nous prenons une deuxième pause dans le téléjournal là, nous tournons. Retourné après pause la commission archidiocésaine justice à la paix qui réalisait 16e journée porte ouverte contre violence vendredi 13 juillet sous thème combat de violence exiger une gouvernance pour construire la paix respect droit et dignité moun. Dans l'occasion plusieurs responsables dans l'organisation ont plaidé pour droit tout citoyen dans pays à respecter pendant il a demandé pour des mesures à disposition qui prend pour couper violence en deux pays. Secrétaire général Gilles Apla, Joël Joseph, et directrice exécutive, Jocelyne Colanouel, tenant micro Hurtelou, Marie Dieudonne, et Laura Darly Jean-Jacques. Dans l'occasion, la commission a partagé, réfléchi, observation, donné, gagné sur la réalité de la violence et de la criminalité dans la zone métropolitaine et spécialement. Donc c'est ça qu'on fait là, nous pas qu'on fait le 11 juillet, mais nous fait le jeudi et pour capable partager l'information. Depuis l'année 2002, la commission a été choisie de faire observation de violence et de violation de droits de l'homme comme un axe de travail. Malgré toute dénonciation, toute plaidoyer, la commission a constaté que la violence dans la vie tournée est un cancer qui a détruit le pays. La commission a demandé 1. L'État a dû prendre responsabilité pour dédommager tout le monde qui est victime. Sans li pa bliye ti machan yo, dwe gen bon jan programme social pour soulager misè pèp la. La justice dwe garanti respect dwa moun nan société. Collectif Défenseur Plus s'est présenté vendredi 13 juillet un rapport bilan sur situation droit moun nan peyi a pour 6 derniers mois qui sont passés yo. Co-directeur exécutif Défenseur Plus là Antonal Mortimer dit déplorer zak violence pillage et crasé brisé qui fait pendant week-end passé a. Dans sens ça collectif là fait plusieurs recommandations. N'ap suivre. Son rapport qui gagne 6 points. Premier point, passe en revue droit civil et politique, côté nous parler des fonctionnements du système judiciaire et nous passer en revue fonctionnement tribunal, problème lenteur qui gagne, irresponsabilité et certaines autorités dans le système, là, question de détention préventive pour danger, influence pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire et manque de confiance population ou bien population qui a perdu confiance dans le système judiciaire là, et qui lui-même abrongé avec phénomène impunité à corruption. Nous fait état tout de CSPJ comme organe d'administration et de contrôle pour judiciaire là, changement qui sont fait la donne, même les changements ça a fait CSPJ avait pas cadré la constitution parce qu'il constituait essentiellement des hommes, pas des femmes, alors que
tentative constituée amendée dit pour gagner 30% femmes dans chaque espace de décision. Et pour le droit social et économique, bon, là, lui-même, nous pas même besoin de faire étalage sur ça. Ça qui est passé dans le pays en date 6, 7 à 8 juillet, lui montrer comment niveau situation économique population a dégradé. Mais nous pensons que c'est intéressant pour la population continuer à faire un dévoile sans ne pas obliger de faire pillage, sans ne pas obliger d'agresser les gens ou bien faire et vandalisme ou bien les gens. Des fois, faire plus côté pâle, penser que la situation a changé. Si chaque autorité joue un rôle de supposé jouer pour changement qu'a fait. C'est pour ça que Défenseur Plus fait quelques recommandations à l'autorité qui concerne pour le système violer les droits de la population. Pour renforcer le contrôle du système de justice. Pour libérer le système de justice de pression politique et chantage économique et établir vraiment un état de droit dans le pays. Pour une bonne initiative pour faire disparaître la misère dans le quartier populaire, pour nous suspendre l'exploitation gang et d'armes. Désarmer tout le monde qui a des armes illégales dans le pays. Puis bien équiper la police nationale, faire appliquer le texte royal et punir tout le monde qui pense qu'il a des droits pour passer de lui. Développer une stratégie pour améliorer l'agriculture pays et mettre un système d'irrigation pour de l'eau disponible pour l'agriculture. Coordination nationale militant parti haïtien tête calée dans commune Croix des Bouquets porté soutien yo bay administration Moïse ak gouvernement La Fontan. Militant sa yo ki tap intervenu dans cadre d'une conférence pour la presse vendredi 13 juillet félicité président Jovenel Moïse pour réalisation dans pays a pendant yo mandé chef l'état continuer porter satisfaction par rapport ak besoin population. Kèk la dan yo te nan micro Louinel Jean-Louis ak Michel Joseph. Condamné à toute force yo. Condamné à toute nom yo. Zak violence qui sont faites sous pays a surtout dans capitale Port-au-Prince. Côté en pile business ak bien privé citoyen yo détruit. Coordination PHTK dans Croix des Bouquets. Profitez même occasion ça pour féliciter président Jovenel Moïse parce qu'il était descendu prix gaz là sans perdre du temps. T'es pas ici. Recessou. Ou t'es votre président depuis le premier tour. Ou t'es élu. Ou t'es bagné un mandat pour ta travail dans le pays. Et nous, le président qui a une volonté, il y a un pile d'amour pour le pays. Et la travail. Nous avons chef gouvernement, qui c'est Jacques Guy Lafontan. Mais nous connaissons c'est une dévotée. Mais pour le diriger, il faut un cabinet, il faut une équipe. Nous camper des positions président. Tout ça, c'est camper derrière. C'est nous qui voté. Michel 8, on a pris une autre pause. Le tourné n'a pas les nouvelles internationales. Mais pour nous développer dans le journal, ça avant nous aller. Processus pour bétonner 3,5 km route et temps, mais vendredi 13 juillet, dans quartier Raboto, ville Gonaïve. Tout membre dans gouvernement a répondu présent dans séance interpellation chambre député a demain samedi 14 juillet selon ministre culture et communication Joseph Guilherme Cedelva. La police déjà arrêté 101 moun qui t'a participé dans zak pillage ak déchoukay week-end passé a gen mesure qui déjà prend pour garantir sécurité entreprise yo d'après déclaration ministre justice ak sécurité publique là Jean-Oudi Ali qui t'a visité plusieurs entreprise qui était victime. La point de développer commission archidiocésaine justice à la paix mandé pour des mesures qui prend pour éviter violence et puis permettre droit tout citoyen respecté dans cadre 16e journée porte l'ouvrir lutte contre violence vendredi 13 juillet. Merci à vous même qui t'ai prêté attention pendant tout téléjournal là. Merci à production, merci avec salle rédaction. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie télévision nationale d'Haïti chaîne 8.